vie, Viva. Et dans la chanson aussi, je parle de mon mari, Jorn. Et Montauk a une place aux États-Unis où on a une maison. Mais troisièmement, finalement, dans la troisième verse, je parle de ma mère, Kate. Et avant de chanter la prochaine chanson, je veux juste vous raconter l'histoire de la prochaine chanson qui est à propos de ma mère. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ma mère, malheureusement, elle est décédée du cancer. Durant sa maladie, ok, we can do this. J'allais souvent dans des églises pour allumer des bougies. Je suis pas religieux, mais j'aimais ça quand même, ça me donnait de la force. Et en tout cas, elle est décédée à Montréal en 2006, je pense. Elle était là avec toute la famille. Puis juste après qu'elle est morte, j'ai sorti, puis je suis allé à l'église sur le coin. C'était le coin de Laurier et Laurier et Kerb. Et j'étais là pour allumer la bougie. Puis ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de bougie dans l'église. Ils n'avaient pas, ils n'en avaient pas. Oh, je m'excuse, on n'a pas de bougie. Je dis, oh, ok, je vais laisser ça. Alors la deuxième journée, j'ai cherché une autre église. Puis ils m'ont dit aussi qu'ils n'avaient pas de bougie cette journée-là. Alors je dis, ok, ça c'est bizarre. Troisième journée, je suis sorti, puis j'allais à une autre église. Et ils avaient des bougies, mais ce n'étaient pas des vraies bougies, c'était des bougies électriques. celles qu'on pèse un bouton. Alors j'ai dit, ce n'est pas vraiment celle-là que je veux. Alors j'ai un peu pris ça, comme un message de ma mère qui me disait, ça va, Rufus, je suis d'accord, je suis correct, comme on dit au Québec, je suis correct. Tu peux vivre ta vie et moi je n'ai plus besoin de ça parce que je suis parti et tout ça. Et je pensais que ça c'était le message. En tout cas, deux semaines après ça, j'étais à Paris. J'étais sur Paris. Et voilà. I'll get it one day. Sur Paris et je suis allé à Notre-Dame, au cathédrale de Notre-Dame. Et j'ai rentré, puis il y avait le chœur qui chantait, l'orgue qui jouait, et le fumée partout. Et c'était très dramatique comme scène. Et j'ai dit, oh, ok, alors je comprends. Maman voulait que ça soit dans le cathédrale de Notre-Dame. Elle voulait une meilleure venue. Alors j'ai fait ça et pas dans l'église du coin. finalement, mais en sortant, j'ai demandé quelque chose. J'ai demandé pour un message d'en haut. Puis j'ai eu un message et c'était que pour soutenir n'importe quoi, comme le douleur et les choses mauvaises dans la vie, la seule chose que tu as besoin, c'est du gratitude. C'est tout que tu as besoin. C'est du gratitude. Alors, c'est ça l'histoire. Thank you.
It's always just that little bit more that doesn't get you what you're looking for. I tried to block the cabin door, but the church is but the rooms have all run out of pamphlets. I tried to cook it up in there. The kitchen has run out of candidates. It's always just that little that doesn't get you what you're looking for. I tried a banging on the cabin floor, but the churches have run out of candles. I finally lit you a candle, and all along the vaulted halls, the virgins did smile from their mantles. It's always just that little bit more that doesn't get you what you're looking for, but gets you where you need to go. But the churches have run out of candles. Cigarettes and chocolate milk, these are just a couple of my cravings. Everything it seems I like's a little bit stronger, a little bit thicker, a little bit harmful for me. If I should buy jelly beans,